Bonjour et shalom, chers amis. Je suis Monsieur Emmanuel Kayembe, enseignant aux écoles chrétiennes La Source de Vie. Ici avec vous, c'est dans le cadre de notre cours d'éducation civique et morale pour ceux de la 7e cycle terminale, éducation des bases que nous appelons communément les Timothée 1. Nous sommes dans le premier chapitre de notre cours qui consiste en la connaissance de soi et de son milieu. Ce chapitre, nous l'avons scindé en deux parties. La première partie ne consiste qu'à parler de l'identification. Alors la deuxième partie, vous allez voir dans la prochaine vidéo. Dès sa naissance, chaque enfant doit être reconnu par l'État. Il doit avoir un nom, il doit avoir une nationalité, il doit connaître ses parents, il doit être élevé par ses parents. C'est ce que stipule l'article 6 alinéa 2 de la Charte africaine de droit et du bien-être de l'enfant, ainsi que l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant. Alors le point 2, c'est l'identification. L'identification quid ? Qu'est-ce qu'on appelle identification ? L'identification, c'est seulement l'ensemble des coordonnées qui nous aident à reconnaître une personne. Non seulement à la reconnaître, aussi à la différencier des autres personnes. Je reprends, l'identification consiste à reconnaître une personne et à la différencier des autres personnes. Il y a bien des pièces d'identité que vous connaissez. J'ai ici par exemple, regardez, à ma gauche, à votre droite, je pense, la carte des lecteurs. Et de l'autre côté, la carte d'étudiant. Alors, quels sont les éléments qu'on trouve là, les éléments constitutifs d'une identité? On trouve par exemple le nom, le poste-nom, le prénom, la date et les lieux de naissance, le nom du père, le nom de la mère, la province qui dépend selon que vous êtes de la lignée matrilinéaire, soit patrilinéaire. Alors, je vous donne mon exemple avant de vous donner un exercice que vous allez faire pour me remettre. J'ai ici l'exemple d'une pièce d'identité ici chez nous. Ça, c'est l'exemple d'une carte d'électeur. Là, c'est la photo que vous n'avez pas vue, malheureusement. Le nom, par exemple. Mon nom, c'est KIMB. Alors, je dois faire une parenthèse concernant le nom. Le Code de la famille, dans son article 58, stipule ceci. Le nom à donner à l'enfant ne doit avoir ni caractère, un caractère injurieux, ni caractère provocateur. Ça doit être nécessairement un nom congolais, pour ceux qui sont de la nationalité congolaise. Alors, je continue. La deuxième chose, après le nom, j'ai le poste-nom, qui pour moi est Chimanga. Après vient le prénom, Emmanuel. La date et les lieux de naissance. Là, le lieu de naissance, c'est là où j'ai vu jour, là où je suis né. La date, c'est le 25 mars 1969. Et les lieux de naissance, c'est la ville-province de Kinshasa. Le nom du père, c'est Chimanga. Vous remarquerez que ça ressemble à mon poste-nom. Ce qui veut dire, généralement, l'enfant prend le nom de son père. Alors, le nom de la mère, c'est Mouswamba. Après vient la province. La province soit l'origine, là vous pouvez mentionner le secteur, district, localité, ainsi de suite. Alors ici, moi j'ai voulu seulement parler de la province. La province est Kasaï orientale. Alors je dois vous signaler que je suis de la lignée patrilinéaire, ça veut dire je suis le papa, je suis du côté papa et non du côté maman. Ce qui fait que la province, si, je l'ai hérité de mon père. Alors, après vient la nationalité, où je suis exactement né. Je suis né à Kinshasa, qui est la capitale même de la RDC. Par conséquent, je suis de la nationalité congolaise. Ceci, ainsi dit, nous avons fini notre cours. Merci pour votre attention soutenue. Comme tâche, veuillez faire comme moi. Donc, je vais supprimer tout ceci. Vous, à la maison, vous complétez tout ceci. En mettant, bien sûr, votre identité. C'est qu'à la place de nom, ne reprenez pas Monsieur Emmanuel Kayembe Chimanga, mais mettez votre nom, votre lieu et date de naissance, l'identité des parents, l'origine des parents. Prenez bien soin de vous. Au plaisir de nous revoir. Luttons tous contre la pandémie qui ronge tout le monde, le coronavirus. Que Dieu vous bénisse abondamment.